YouTube, ce que tu fais, ta sœur. Donc moi je m'appelle Ben, de la chaîne YouTube Ben Wings. Hi, my name is Blank and my name is Michael Page and Patient. Donc moi c'est Biba Arthur, j'ai 16 ans et mon sport c'est le breakdance. Du coup j'ai une chaîne YouTube Biba Arthur. I gotta kill them, I gotta make these motherfuckers bleed, I gotta kill them. Vingtaine de tours, la tête qui tourne et l'autre. Les deltoïdes, c'est parti. On va se mettre au sol. Un doggy style. C'est quoi le breakdance? C'est un sport qui vient du hip-hop. C'est une danse qui s'est développée entre les années 70 and me, the groove, and my friends. Et 2000 aux États-Unis. Oui. La partie virile de la vidéo. Il y a plusieurs catégories dans le break. T'as les top rock, c'est tout ce qui est danse debout. Ça paraît simple ou pas? Oui. Ok. Impressionné? Zéro crédibilité, le mec. C'est juste de regard. C'est la pigeon. Et t'es prêt? La danse au sol. Oula. Bravo. J'essaie d'être un peu à l'aise. Là je suis à l'aise. Ok. Ah, c'est ça gros. Ok, c'est à peu près ça. T'as les prises, donc c'est des blocages dans des positions totalement improbables. Alors, qu'est-ce que c'est les prises? Les prises au mur là, non? Pour la tapisserie là. Voilà. T'es droitier ou gaucher? Droitier. J'ai droit. Oh là 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 là. C'est parfait gros. Ah ouais? Bah oui. Ouais. Fais-moi la même chose gros. Aïe aïe aïe. Lâche une main, lâche une main. Deuxième c'est le bénéfice. Et là t'as juste à te laisser tomber. Oh là là, oh là 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 là. Si je peux me permettre les gars, c'est la première fois qu'il est bon dans un sport. Hein. Faut le savoir. Donc c'est des mouvements aériens qu'on retrouve dans les films de danse. Peut-être que tu vois de quoi je parle. Sexy dance. Voilà. Alors ça s'appelle DJ Stell. Ok. Non. T'envoies ta jambe gauche, tu changes de jambe. Là tu la poses. Gauche, droite, pose. Allez, ouais, pourquoi là? Donc comme ça en fait. Ok. C'est le robot en fait. Est-ce qu'il y a des compétitions ou des championnats de breakdance? En 1 contre 1, la plus grande compétition c'est Red Bull Beast One. Let's win! Beast One. Par équipe, la plus grande compétition c'est Battle of the Year. Ok. J'ai un gros plan sur ton cul, gros. Tout le bleu, les gens. Ah, j'essaie de sentir. Tu me sens? Oh, je le sens. Ouais, gros, ouais. On peut essayer? Tu vas essayer? Ok, bon, je pense qu'on aura pas mieux. Est-ce que la danse ça marche avec les petites ou pas? Oui. Est-ce que t'as une histoire à nous raconter? Non. Ça, ça veut dire oui. Non, pas de. Il tape, lui. Ouais. Là c'est n'importe quoi ouais. Et du coup comment ça se passe un battle alors? Dans chacun notre tour et t'as des juges qui, donc, qui nous jugent. Donc ouais, ouais. La musicalité, la technique, la fluidité. Ok, prochain alors. D'accord. C'est pas là. Ah, ouf. Allez poulet. Allez pour la veine. Et est-ce que le break c'est accessible aux plus jeunes ou pas? Ah ouais, c'est vraiment accessible à tout le monde. En particulier, il y a un b-boy qui est assez gros et qui est super fort. Prochain. Ok. Vous avez déjà rencontré ou pas? Non. Non. Voilà. Ok. Tiens, droite. Droite, gauche, droite. C'est des mouvements vraiment légers, 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 légers. Non. Léger lourd quand même. Ouais, bon, ouais. Okay. On passe au prochain. Tu fais quoi dans la vie? Bah, moi je suis en première S, première sèche. Thomas. Faut que j'aille à la muscu là. Et du
coup, quelles sont les valeurs du break? La première valeur que j'aurais à citer, c'est vraiment le respect. Tu vas t'entraîner avec des gens, les gars ils sont tous souriants, il n'y a pas de jugement. Oula, c'est pas évident. Quand j'étais petit. Ok. Ouais, gros. Oh, je tiens. Avec la chaîne doucement. Ne lâche pas. Je tiens. Oh. Oui. Est-ce que du coup, toi, il y a des gens qui t'inspirent un peu? Issei particulièrement, je trouve qu'il est super bon, il est complet dans toutes tes catégories. Mounir, tu vois qui c'est? Enfin, tu vois, c'est il y a Moundir de Koh-Lanta, mais... Ouais, non, oula. Tu vas faire les pompes, si tu veux, pour soulever ton corps. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut commencer le breakdance? Soit tu peux regarder directement des tutoriels sur YouTube et commencer dès aujourd'hui. Sinon, ils peuvent s'inscrire à des cours de danse. Donc, va voir des b-boys si tu vois par exemple des street shows dans la rue. Moi, je connais les peep shows, mais c'est pas pareil là, non? Non, c'est pas, non, pas la même chose, d'accord. Très bien. Ou pas comme sport? Ah ouais, c'est vraiment physique, enfin c'est, tu peux te blesser, tu vois, du coup faut faire des échauffements vraiment poussés, parce que ça demande vraiment beaucoup de force. Oui, ladies and gentlemen, le Thomas. Ah oui, voilà. Et je dois faire ça. Exactement. Bonne journée. Et du coup toi, la danse, danser, qu'est-ce que ça t'apporte en fait? C'est comme la muscu, hein, c'est que du bonheur, tu te défoules. Dès que tu te sens pas bien, tu t'entraînes, ça te défoule. Et le fait de progresser, d'entraîner des mois pour arriver à faire un mouvement et quand enfin tu le maîtrises, c'est comme prendre des bras en fait. Ah c'est vrai, alors c'est magnifique alors, plus beau des sentiments. Voilà. Voilà c'est ça, en gros. Et surtout les gens, surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Allez, c'est parti.